Ok, merci. Alors. Ok. Alors, chers amis, ce matin, je fais ce Et si je te rappelle pas, il faut patienter. Je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Il faut patienter, s'il te plaît. Hein? Ok, pas de soucis, pas de soucis. Ismaël Isaac. Alors, chers amis, connectez-vous. On va rapidement parler encore de l'actualité. Désolé, hier, il y a eu un problème technique. Les deux vidéos ont été supprimées hier. Une faute technique. Alors, je vais rapidement revenir sur l'actualité politique. Pendant ce temps, j'invite déjà aux uns aux autres, vous qui êtes déjà connectés, à partager déjà la vidéo à tous vos amis. Alors, nous allons revenir encore sur l'actualité de l'affaire Diom Soro. On va revenir encore sur l'affaire Diom Soro qui fait couler beaucoup d'encre. Depuis hier, j'ai vu beaucoup de pleurs, beaucoup de cris. Les gens ont voulu casser hier Facebook. Aïe, 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 je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais même pas supporter. Tout ce bruit sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'on m'envoie, et tout ça, je ne pouvais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est quand même dans une république. On est quand même dans une nation. Il faut que les gens apprennent à respecter nos lois et les institutions. Je l'ai dit, la politique, c'est d'abord le respect des lois et des institutions, il n'y a rien d'autre. C'est le respect de notre justice. Quelles que soient ses forces et faiblesses, mais c'est la justice. C'est la justice. Le respect des institutions, qu'on aime le président Ouattara ou pas, mais il est le président de la République. Aux États-Unis, qui est aux États-Unis, même Donald Trump, il est sous le coup de la destitution. Donald Trump est sous le coup de la destitution aux États-Unis. Ici en France, il y a des hommes les plus importants français qui sont devant la justice. Nicolas Sarkozy, qui a été ancien chef d'État, est devant la justice. Mais chez moi, en Côte d'Ivoire, on a quel problème? Ces soi-disant intellectuels là, ils ont quel problème en Côte d'Ivoire? Ils ont quel problème? En même temps, vous voulez être des démocrates. En même temps, vous avez peur de vous soumettre à la justice. Mais quel genre d'intellectuel êtes-vous? Quel genre de démocrate êtes-vous? Ce n'est pas parce qu'on fait la politique qu'on est politicien qu'on doit être au-dessus des lois et des institutions. Non. Ce n'est pas parce que tu es politicien que tu vas être au-dessus des lois et des institutions. Ce n'est pas parce que tu es député que tu vas être au-dessus des lois et des institutions. Non. Ici en Europe, ici, les gens ne jouent pas avec ça. Quand tu es mêlé dans une affaire grave, on n'était jamais même pas. Ici, là, couramment, on voit comment la police, la gendarmerie fonctionne ici. Tu n'es même pas informé, tu suis ton appel, on dit, ah voilà ce qu'on. Et puis après maintenant, on t'arrête même, on t'enferme d'abord, et puis après maintenant, on va régler ça après. Ils viennent, ils t'arrêtent d'abord, on dit, alors on va te déposer d'abord, et puis après, on va te trouver un avocat, voilà. Ici, là, on vit en Europe. Ici, là, c'est en Europe, on sait comment ça fonctionne ici. Il faut qu'en Afrique, les gens comprennent. Il faut que chacun apprenne à rester à sa place. Je le dis et je le répète toujours dans mes vidéos. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on va être au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique que la justice ne peut pas nous interpeller. Non. Aucun politicien ne doit être au-dessus de la loi, surtout dans les pays francophones. Désolé pour vous, mais on va vous le dire la vérité. Alors, chers amis, avant de commencer mon direct, le thème, c'est Soro a détourné son avion. Oui, Soro a détourné son avion. Il a détourné son avion. Tout ce que les gens racontent là, c'est de la comédie. Nous, on sait qui est Soro. Soro, c'est un fessis. Jusqu'à présent, il n'a pas encore compris que lui, Diom Soro, là, il a géré une partie du territoire ivoirien. Il a géré 60% du territoire ivoirien. Il a été premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a été premier ministre de Laurent Gbagbo.
John Soro a été ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. John Soro a été ministre, premier ministre sous le président Ouattara et encore ministre de la Défense. John Soro est devenu président de notre institution en violation même de la constitution ivoirienne. Parce que je vais lire tout à l'heure un communiqué de Charles Blé Goudé. Un communiqué émanant de Charles Blé Goudé. Et en même temps, je vais profiter pour parler en même temps à Charles Blé Goudé parce que je viens de voir son communiqué. Mais j'aurais voulu faire même une vidéo spéciale parce que j'ai lu son communiqué. Je suis un peu déçu de ce communiqué. Si vous dites à Charles Blé Goudé que Zasso dit, il est déçu de son communiqué. Il est vraiment déçu. Je pense que quand on est maintenant dans des pays civilisés, dans des pays bien organisés, il faut vraiment faire très attention parce que si l'histoire nous amène ici, c'est parce que l'histoire veut qu'on retienne beaucoup de choses et qu'on apprenne beaucoup de choses. Mais avant ça, je vais d'abord commencer par la présentation, comme on appelle ça, l'intervention de notre procureur Adou. Vous allez d'abord écouter Adou, il faut qu'on revienne dessus parce que c'est très important. Quand le procureur Adou va venir te parler et le DG de l'aviation en Côte d'Ivoire va donner son opinion, je pense que nous allons essayer d'aller plus loin dans les choses. Mais chacun doit mettre dans sa tête que l'avion a été détourné. J'étais ici hier matin quand John Soro a pris son vol depuis Abidjan. Parce que le seul problème qu'il nous faut en Côte d'Ivoire, et je persiste dessus, c'est la formation, l'éducation. Il faut former, il faut expliquer les choses. C'est le sens du combat dans lequel nous nous sommes engagés. Nous, pour nous, il faut expliquer les choses pour que les gens comprennent les choses. Parce que nous sommes dans un pays où les gens manipulent, où les gens ont toujours compris que le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens ne comprennent pas trop les choses. Non, il suffit seulement d'un petit truc et puis il crie fort. Parce que plus tu cries fort, plus les gens pensent que tu as raison, parce que tu cries fort. Et on a été habitué à ça en Côte d'Ivoire. Plus les gens crient fort, plus les gens pensent qu'ils ont raison. Tu comprends, non? Vous comprenez bien? C'est-à-dire, quand il y a un événement, ils vont venir, ils vont crier, oh, 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 oh. C'est comme des enfants. C'est-à-dire, ils se comportent comme des enfants. Il va chercher par là, au dehors. Il n'explique pas à ses parents. Il vient là, il fait croire à ses parents que c'est lui. Ah, il commence à pleurer, pleurer, alors qu'il n'a même pas raison. On va fouiller, l'enfant n'a pas raison. C'est comme ça que les nouveaux hommes politiques en Côte d'Ivoire se comportent. Ils n'ont pas raison, hein? Mais il crie quelque chose, il crie, il crie, il crie, il crie. Allez-y, criez. Ça dit, les Franklin, Yamsi, les sous le là. Allez-y, criez, criez. Dites ça, dites ça. Et puis voilà, ça va ébranler les choses. Et puis on va dire, non, Soro, Ouattara n'est pas gentil. Ouattara est ceci, Ouattara vient arrêter Soro. Soro a aidé le RDR, Soro a aidé le RHDP. Comme il ne veut pas adhérer au RHDP, parce que Blé Goudé l'a dit ici. Hein. Blé Goudé l'a dit dans son communiqué. Comme il ne veut pas adhérer au RDR, mes chers amis. Le RDR, là, quand le RDR a commencé son combat politique, ils n'ont pas commencé avec Soro. Le RDR n'a pas commencé son combat avec Soro. Le président Ouattara n'a pas commencé son combat avec Soro. Ils se sont battus pendant des années pour être là où ils sont. C'est parce que certains d'entre eux n'ont encore rien compris. Qu'on vous fait croire peut-être que c'est parce que vous ne voulez pas adhérer au RHDP, non. Le RDR, le président Ouattara, tous ceux que vous voyez là, ils ont commencé leur combat il y a longtemps. Ils ont affronté tous les régimes politiques. Au premier tour, en 2010, ils ont eu 32%, Gbagbo a eu 38%. Il y a eu 6 points de différence. Non, le RDR n'est pas obligé, ou Ouattara n'est pas obligé de dire à quelqu'un, lui-même là, il dit, vous pouvez être tous candidats. Vous pouvez être tous candidats. Vous là, vous allez, en quoi vous allez frayer Ouattara? Votre ralliement au RHDP là, ça va faire quoi au président Ouattara? Ça va faire quoi au président Ouattara? Toutes ces réalisations qu'il fait là, c'est lui-même ses propres réseaux. C'est sa force, sa puissance là. C'est ça qui fait qu'il est en train d'investir en Côte d'Ivoire. Il prend l'argent de la Côte d'Ivoire et développe la Côte d'Ivoire. Il profite de ses réseaux, il développe la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez échoué pendant des années. Là où vous avez échoué pendant des années, là, lui, il a réussi là. Là où vous avez échoué pendant des années, le président Ouattara a réussi là. Que non, on les humilie parce qu'ils ne veulent pas adhérer au RHDP. C'est vous qui faites le RHDP. Vous avez été à Gbagbo. Qu'est-ce que vous avez porté à Gbagbo? Apporté à Gbagbo. Soro là, il a soutenu Gbagbo ici. Gbagbo est devenu quoi? Gbagbo s'est retrouvé en exil. Il a encouragé même l'extradition de Gbagbo avec Bédi. Vous qui parlez, qui soutenez aujourd'hui Soro, vous les pro Gbagbo. Vous qui ne comprenez rien. Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui là, avec ce qui arrive à Soro, que je suis en train de comprendre
Pourquoi vous, vous avez laissé John Soros installer sa rébellion en 2002? C'est maintenant, moi, ça, je comprends. C'est maintenant, je comprends que Gbagbo et son camp ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Ils nous ont tous trahis. Ils nous ont tous trahis parce qu'ils ne sont pas sérieux. Quand je les écoute, ils ne sont pas sérieux. Des gens, vous, en 2010, vous êtes allé à une élection, vous avez donné 38% à Laurent Gbagbo. Mais bientôt, je vais maintenant parler. Parce que la comédie, là, ça s'est duré. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. À cause, c'est-à-dire vous, à cause de vous, à cause de vous, à cause de votre incompétence notoire, des milliers d'Ivoiriens ont été tués, massacrés. Pour une élection que vous n'avez pas gagnée, vous êtes allé faire la guerre. Vous n'avez même pas réussi à convaincre même Laurent Gbagbo d'arrêter la guerre. Vous n'avez pas réussi à convaincre les Simone Gbagbo d'arrêter la guerre. Vous avez voulu faire la guerre. Vous êtes allé voir Mangou. Mangou vous a dit qu'il ne peut pas faire la guerre. Vous êtes allé voir Mangou. Mangou dit lui ne peut pas faire la guerre. Pour une élection, c'est bon. Vous êtes là, il y a eu la guerre. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Aujourd'hui, là, il faut un minimum de respect pour tous ces Ivoiriens. J'invite les uns les autres à un minimum de respect pour tous. Et surtout, ceux-mêmes qui se disent pro-Gbagbo et qui se débattent aujourd'hui pour ce Soros-là. Vous êtes vraiment des traîtres. C'est maintenant, moi, je comprends pourquoi vous avez échoué. Pourquoi Dieu vous a abandonné. Parce que vous n'étiez pas sincère au départ. Au départ, vous n'étiez pas sincère. Vous n'étiez pas sérieux. Votre combat, c'était juste pour mettre les Ivoiriens dans la joie. Ce n'était pas pour défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà ce que vous êtes en train de faire des merveilles. Malgré toutes les humiliations qu'il a connues, malgré toutes les attaques qu'il a connues, aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en train de relever la dignité de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous laisser, on ne va plus se laisser distraire par vos émotions et par vos colères. Nous allons vous combattre jusqu'au bout. Et dans ce pays, nous nous battrons, nous allons nous battre pour que la justice soit au cœur de tout débat politique en Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre pour que la justice soit au cœur de tout débat politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des choses que nous savons. Il y a des choses que nous savons. Mais si on se tait, c'est par respect pour des personnes. Je voudrais dire à ceux qui passent leur temps à soutenir John Soros. Plusieurs fois, on vous donne des avertissements. Il faut que vous arrêtiez ce jeu. Parce que sous Gbagbo, vous avez fait trop de choses avec Soros. Vous avez fait trop de choses avec John Soros. Il faut que vous arrêtiez ça. Parce que quand vous partiez, pendant la crise, c'est nous, on est restés en Côte d'Ivoire. C'est nous, les Assos, on est restés à Abidjan. J'ai cherché tous les leaders patriotiques. Tous les leaders de la galaxie patriotique. Je n'ai trouvé personne. Et tous, ils ont fui. J'étais avec Nado Clément. J'étais avec Nado Clément. À Yopougon, il n'y avait personne. Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, mais tous les leaders ont fui. Les gens ont été massacrés, humiliés dans leur chair. Les petits Madi le Toka qui se débattaient sont restés seuls. De grâce, j'appelle au respect du peuple de Côte d'Ivoire, surtout des Ivoiriens. J'appelle les uns les autres, surtout les pro-Gbagbo, les militants FPI, qui ont gouverné ce pays et seront en deuil ce pays. Vous pouvez chercher à pomme. Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. C'est peut-être votre stratégie de reconquête de pouvoir. Mais comptez sur Soros pour accéder au pouvoir d'État. Là, vous vous trompez. Soros ne vous donnera pas le pouvoir. Depuis le début, je vous dis ça. Il ne veut pas. Ouattara n'est pas Gbagbo. Ouattara n'est pas Bédié. Ouattara n'est pas. Ouattara, là, il n'est pas Guéï. Ouattara n'est pas Gbagbo. Ouattara n'est pas Bédié. Ouattara n'est pas Guéï. Soros ne fera pas de coup d'État. Il ne pourra pas renverser ce pays. Il peut manipuler, il peut faire ce qu'il veut. Mais il ne va pas atteindre, il ne va pas déstabiliser Ouattara. Il ne va pas le déstabiliser, il ne va pas chasser Ouattara du pouvoir. Il est là, il est de notre génération. On lui dit ça chaque année. Depuis combien d'années, je parle à Soros. Quand Soros a commencé ses conneries de Soroïs, où il voulait forcément la tête du RDR, j'ai fait des vidéos, j'ai dit aux gens, j'ai dit Soros, on ne va pas te donner le RDR. Parce que tu ne remplis pas les conditions pour être le successeur du président Alassane Ouattara. C'est moi qui l'ai dit. Et ça fait des années, je vous dis la même chose. J'ai dit, Soros a les mains sales. Soros a les mains sales, ce n'est pas Soros qui va être le successeur du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible, c'est moi qui l'ai dit. Pourquoi les Konatésiens m'insultent? Pourquoi les Tazere m'insultent? Pourquoi les proches de Soros m'insultent? Parce qu'ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité.
Et ils m'ont plus appelé. Et tous là, la plupart m'ont tous appelé. Il y a des gens qui parlent ici. Moi, là, si on dit proposition pour avoir l'argent, là, on m'a fait des propositions. On m'a fait des propositions pour soutenir des leaders politiques. De là où je suis. Si c'est des propositions d'argent, moi, Zasso, j'ai eu. Mais j'ai dit aux gens, et je vous le répète, moi, Zasso, là, quand je rentrais en Côte, je quittais mon pays, là, c'était dans la guerre. C'était dans la guerre, j'ai vu les Ivoiriens mourir. Je sais comment je courais avec mes bagages, avec mes amis, avec mon petit sachet. J'ai dit, demandez toujours à Evariste Yaké. J'ai vu la guerre à Yopougon. J'ai vu la guerre. Kona, le commandant Kona, là, le colonel Kona, là, je l'ai vu à la base navale de Yopougon. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu des soldats tués, des marins, des militaires, les soldats, les libériens, les groupes d'autodéfense, les mosquées, les églises. J'ai dit, mais ça n'a pas épargné quelqu'un. Ça n'a, mais c'est la faute de Gbagbo du FPI. Tout ça, c'est la faute de Gbagbo et du FPI. Parce qu'ils ont été incompétents. C'est vous qui vous débattez pour soutenir aujourd'hui Soro. C'est vous qui défendez Soro. Soro est devenu votre espoir pour renverser le président Ouattara. Non, parce que Gbagbo a perdu la guerre par les armes. Gbagbo a, il y a eu un coup d'état contre Gbagbo. Il y a eu un coup d'état contre Bédié. Donc, sous Ouattara, il doit avoir un coup d'état. Vous êtes des plaisanteurs, vous êtes des comédiens. Et je vous répète toujours quand je parle qu'on prête serment pour protéger un pays. On prête serment pour défendre un peuple. On prête serment pour mater les coups d'État. On prête serment pour étouffer les coups d'État. C'est pour ça qu'on prête serment. Quand on vous donne l'argent de l'État, on vous donne les moyens de la République, on vous donne tout le pouvoir là, c'est pour protéger le peuple. C'est pas pour laisser les gens venir tuer des Ivoiriens et puis venir exposer vos lacunes, venir justifier vos lacunes. C'est dans vos pays là. Comme les gens ne sont pas encore matures, ils ne savent pas ce que c'est que la politique, c'est pour ça qu'ils vont jouer vos jeux. Mais nous, on n'est pas prêts à jouer votre jeu. Parce que nous, nous sommes des intellectuels. On sait que nous sommes des intellectuels. Ici en Europe, là, quand le président a perdu le pouvoir, là, c'est que sous son régime, là, il y a eu le terrorisme. Sous son régime, là, il y a eu ceci, sous ceci. Quand les gens vont voter, on l'enlève. On l'enlève parce que leur pays, là, c'est très important. Si tu n'es pas capable de défendre un peuple, quand tu n'es pas capable de protéger un peuple, les blancs t'enlèvent. On ne justifie pas. C'est pour ça que les Sarkozy sont partis. Ils voulaient revenir, mais on l'a étouffé. Parce qu'il y a des moments, il n'a pas pu. On regarde le combat. C'est-à-dire la politique, ta politique interne et ta politique externe. Si on a regardé ça, là, si on sait que tu es quelqu'un, là, donc, cher ami, arrêtez de pleurer. Personne ne déstabilisera le président Ouattara. Mais on va parler. Je vais vous expliquer certaines choses. On va écouter le procureur Adou. Des gens qui disent intellectuels, qui sont toujours là en train de justifier les coups d'État. Ils sont en train de justifier leurs échecs. Ça ne marche pas. Alors, chers amis, Soro a détourné hier son vol. Je vais faire la première vidéo rapidement et puis... je vais vous faire écouter le procureur de la République. Thank you.
Alors, vous avez déjà reçu les images, toutes les vidéos. Hier, ce qui s'est passé là, Guillaume Soro, il était dans son vol. Le vol devait atterrir à Abidjan depuis 14 heures. Moi, j'ai suivi tout de près. Son jet privé l'a pris par les gens, dit, jet privé l'a loué là, à coût de millions. J'ai tout suivi de près. Hier, je remercie cette conférence de presse du procureur et du DG de l'aviation. Ils ont eu le temps de vous expliquer réellement. Et puis ici, là, nous sommes dans des pays modernes. Ici, là, quand les gens font là, nous, on appelle et puis on se renseigne. Et je sais que ce que le procureur, ce que le DG de l'aviation a dit hier, là, c'est la vérité. Quand tu loues un vol privé, et que tu es en plein vol, tu veux atterrir, ou tu es quelque part pour atterrir, et que toi-même, la personne qui a loué le vol, tu estimes qu'il y a un problème, tu peux interpeller le pilote. Si tu sais que tu es en danger, tu peux interpeller le pilote. Si tu sais que tu as peur, ou il y a quelque chose, ou on t'a donné une information d'arrestation ou autre, tu peux interpeller le pilote. Et le pilote même peut interpeller sa base. C'est comme ça que le Soro, il sera là. Hier, vous-même, vous avez vu, à leur siège, il y a eu la police. La police était là-bas. La police était au siège de Soro. Les proches de Soro, tous ceux qui ont été arrêtés hier, les Konatésiers, les Soutoussous, la Lelo Bognon et tout ça, ils ont dit à Soro que si tu rentres au pays là, tu seras arrêté. Si tu rentres là, fais tout, il faut détourner ton avion. Sinon, tu seras arrêté. C'est comme ça que Soro, par peur, a dit au pilote, et le pilote a appelé la base. C'est pour ça qu'elle est descendue en mode d'urgence au Ghana. Il a appelé sa base, la base a détourné l'avion sur le Ghana. C'est pour ça qu'elle est rentrée sur le Ghana, on a mis ça en mode d'urgence, parce que Soro ne pouvait plus atterrir en Côte d'Ivoire. C'est Soro qui a demandé qu'on n'atterrisse pas à Abidjan. Ça n'a rien à voir avec les autorités ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes ont fait leur part. Ils ont fait leur part, ils ont donné une autorisation à Soro. Soro va effrayer qui même? Vous qui parlez là, il va effrayer qui? Il va effrayer qui? La seule chose qui fatigue les gens, c'est parce qu'ils manipulent certains soldats, certains officiers de l'armée. Ils manipulent certains gendarmes. Ils manipulent ses proches qu'il avait mis dans l'armée. Ces gens qu'il a mis dans l'armée là, c'est eux qu'il manipule. Soro a loué jet privé. Mais quel était l'intérêt de louer jet privé pour rentrer dans un pays où toi-même tu as créé une rébellion et des milliers d'Ivoiriens sont morts? Tu n'es pas un enfant d'héritier. Tu n'es pas enfant de riche. Tu n'es qu'un simple étudiant qui a pris des armes. Parce que j'ai vu des gens qui se croient intellectuels et qui soutiennent cette bêtise de Guillaume Soro. Mais vous n'avez pas honte vous-même. Vous n'avez pas honte de soutenir ce que Soro fait. Ça veut dire que vous n'avez pas de respect pour votre propre pays et pour vos parents qui ont été humiliés dans cette crise. Un jeune étudiant qui a été à la tête d'une rébellion, qui a occupé 60% du territoire qu'il servait, qui a passé son temps à se battre avec Gbagbo pendant des années, qui a occupé des fonctions importantes en violation même de notre constitution. Est-ce que notre constitution dit que quand on est chef de gang, on peut devenir premier ministre? Mais sans violation qu'on a fait, vous qui parlez de démocratie. Il est devenu président de l'Assemblée nationale à 39 ans, mais sans violation de la constitution. Vous qui parlez de démocratie. Pour vous, la démocratie, c'est ça? Pour vous, là, la démocratie, c'est ça, là, c'est ce que vous pensez, c'est-à-dire vos haines, là, votre ignorance, là, c'est ça qu'on appelle la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. En violation de nos lois, Soro a été président de l'Assemblée nationale. Vous saviez tous, donc vous n'avez pas de leçons à faire à quelqu'un ici. C'est au nom de cette paix dont vous parlez, de la réconciliation, qu'on a fait, le président Ouattara a fait des sacrifices pour donner à Soro des positions importantes, et même votre Laurent Gbagbo. Mais cela ne veut pas dire que nous tous, on était contents. Quand Gbagbo donnait tout ce pouvoir à Soro, nous, on n'était pas contents. Quand vous parlez de démocratie, là, nous, on parle de légalité. Nous, là, on parle de légalité. Nous, on dit, on doit être égaux. Si des gens ont fait des bêtises, ils doivent répondre devant la justice. On ne doit pas les couvrir, on ne doit pas les protéger. Arrêtons d'avoir des complexes. Non, Soro a l'argent, mais c'est votre argent que Soro a. C'est l'argent de la République que Soro a. Dites-moi, quand il était dans Fessi, combien d'entreprises il a créé? Ses parents-là, ils ont laissé quoi pour Soro? Quelles sont les richesses que ses parents ont laissées, puis Soro a fait des riches? Venez nous dire. On vous attend, vous allez nous dire. Non, soyons sérieux. Un étudiant qui prend un jet privé
Et puis n'est même plus président de l'Assemblée nationale. On l'a même enlevé à la tête de l'Assemblée nationale. Mais le même John Soros persiste. Il vient en Europe. Il a été élu au nom des députés. C'est-à-dire une population l'a élu. Il devient député de la République. Il quitte la Côte d'Ivoire. Il ne dit à personne. John Soros vient se promener en Europe ici. Pendant des mois, il est à l'extérieur. Il lance des flèches à l'État de Côte d'Ivoire. Il insulte le président de la République. Il insulte les autorités en Côte d'Ivoire. Alors qu'il a été une autorité. Mais le même Soro n'a aucun respect. Il menace. Il va parler, puis vous êtes content. Vous êtes dans l'émotion. Mais c'est là que les gens, le monde entier vous regarde. Ils voient votre niveau. Ils voient votre degré. Ils voient votre niveau. Ils sont en train de regarder. Mais en Côte d'Ivoire, la carte, c'est quoi ce peuple? Et moi, ça me fait mal. Quand on me dit, mais c'est quoi ce peuple-là? C'est quoi? Ça me fait mal. Si les réseaux sociaux vous exposent vos lacunes, vos colères, vos haines, sans chercher même à réfléchir, à dire que ce gars-là, il a été chef rebelle, il a tué des gens, il a tué des innocents, il a massacré des populations, des femmes ont été violées. C'est ce monsieur-là aujourd'hui que nous applaudissons. Mais sachez-vous arrêter quand même. Vous aussi, sachez-vous arrêter. Sachez-vous arrêter. Vous voulez déstabiliser Ouattara. Vous voulez faire un coup d'État à tout prix. Vous voulez chasser le président Ouattara du pouvoir. C'est votre seul combat. Moi, ça fait des années, je vous dis. Au Ghana, là, les gens ont commencé. Je leur ai dit au Ghana que vous, là, vous ne pouvez pas faire coup d'État. Les autorités ghanéennes m'ont convoqué. Ils ont dit Zasso, Konoa Brown est là, Ariette Lagou est là. Et autres, les Ben Dago sont là. On était à la sécurité nationale du Ghana en 2011. Ils nous ont dit dans notre pays, là, allez-y, dis à vos frères, comme vous, vous avez une association. Et que vous êtes les représentants légaux des réfugiés parce que nous, on a payé l'argent pour créer notre association, 900 000 francs CFA. Ils nous ont appelé et dit, allez-y leur parler. Je suis allé voir tous les Katina, les cadres là, à la tête comme une Brown. Arrête là où est là. On allait leur dire qu'ici, là, on ne fait pas coup d'État à Ghana. Là. On ne reste pas au Ghana pour faire coup d'État. On leur a dit. Ils n'ont pas écouté. Et tous, ils sont habillés, ils sont allés chercher à Béhi. Ce n'est pas tout qui sont encore du voir aujourd'hui, on les a arrêtés, non. On les a tous arrêtés. Mais le Ghana va vous livrer. Le Ghana va vous livrer. Si vous êtes dans des sales coups, le Ghana va vous livrer. C'est pour ça que quand Blaise Boudet seul parle, moi je regarde ça, Blaise Boudet, je lui dis toujours qu'un moment viendra où il sera peut-être sage. Parce que quand je pense que la prison ne doit pas être une fatalité. La prison doit être un espace pour chacun d'entre nous. Qui va amener à se ressaisir. Mais je vais lire tout à l'heure le communiqué de Charles Blaise Boudet. Et je vais lire le communiqué parce que moi, je soutiens Ouattara. Moi, là, je soutiens Ouattara. Et je continuerai de soutenir Ouattara jusqu'à ce qu'il fasse de ce pays un grand pays. Et je continuerai de soutenir le président Ouattara pour qu'il fasse de ce pays un grand pays. Macron quitte en Côte d'Ivoire. Macron va en Côte d'Ivoire. Un chef d'État. Il va arriver en Côte d'Ivoire, la première, cinquième puissance mondiale. La France fait partie des cinquièmes puissances mondiales. C'est Macron qui est en Côte d'Ivoire et puis Soro va rentrer avec un jet privé. Il va occuper l'espace, il va descendre à Abidjan. Et il y a des Ivoiriens qui justifient ça, c'est normal. C'est même pas un jet, c'est pas un avion commercial, hein, mais un jet privé. Un jet privé. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses, le terrorisme, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Soro va prendre un jet privé et puis va rentrer en Côte d'Ivoire, là où l'avion de Macron est là-bas, là, lui va rentrer là-bas. Et il y a des gens qui estiment que c'est normal. Même Poutine, même, il n'accepte pas ça. Aux États-Unis, là, on n'accepte pas. Quand Poutine arrive aux États-Unis, là, on bloque tout pour la sécurité de Poutine. On ne fait même pas d'erreur. En France, là, quand Macron fait rentrer, il invite les Poutines, là, il bloque tout. Il y a des espaces, les gens n'ont même pas assez. Il y a des espaces, les gens n'ont pas assez. Vous ne savez pas, il faut qu'on vous explique ça. Parce que notre problème, c'est l'ignorance. Notre problème, c'est l'ignorance dans nos États. Soro détourne son avion parce que ses amis lui ont dit qu'on va t'arrêter. Mes chers amis, quand Soro a pris un jet, Soro avait son coup. Soro sait ce qu'il faisait. Moi, je vous ai dit ici, et Blaise Boudet l'a dit, un temps, quand il était leader de la galaxie patriotique, il parlait, mais nous on écoutait.
Aucun chef de guerre, aucun chef rebelle dans ce monde ne prend les armes pour donner le pouvoir à l'autre. Il n'y en a pas. Quand un chef rebelle prend le pouvoir, là, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Quand un chef de guerre, quelqu'un fait une rébellion, il a les armes, il a la tête. Là. La fin, là, c'est que lui veut devenir président de la République. La fin, là, c'est que lui veut devenir président de la République. Je l'ai dit et je l'ai répété ici. Le seul combat de John Soros, c'est être président de la République. Le reste, il s'en fout. C'est ce qu'il a. Il a mené le combat de Ouattara. Il a fait ceci, c'est faux. Soros n'a jamais mené le combat de Ouattara. Soros, là, il n'a jamais mené le combat de Ouattara. Jamais, c'est faux. Ouattara a organisé ses élections. Lui-même, il a eu ses avions, il a eu son argent. Ouattara, il a dépensé des milliards dans sa campagne présidentielle. Il a eu 32% avec ses militants, ses partisans. Moi, j'étais là. J'ai battu la campagne au premier tour. Donc, j'essaie de parler. Je crois qu'il parle. C'est ça qui est la vérité. Donc, arrêtez de distraire les gens. Soros se bat pour lui-même. Si tu as mené le combat de quelqu'un là, tu ne fais pas du chantage, tu ne menaces pas et tu ne fais pas du chantage à la personne. Mais toi, tu dis, tu t'es battu pour moi. Et chaque jour, c'est toi qui me fais du chantage. Chaque jour, c'est toi qui me fais du chantage. C'est que tu ne t'es pas battu pour moi, tu t'es battu pour toi-même. Soros s'est battu pour lui-même. Il avait signé même des pactes avec Gbagbo. Et ça a retourné contre Gbagbo et ça a blé-goudé le sein. Allez-y, dis à Blake Zasso, dis, tu sais, et puis je sais. Mais ton soutien à Soros, là, il faut arrêter ça un peu. Il n'a qu'à arrêter ça un peu. Parce qu'à la fin, ça commence à énerver. Voilà, ça commence à énerver les gens. Parce que les gens sont trop morts. Les gens sont trop morts. En Côte d'Ivoire, les gens sont trop morts. Quand il y a eu la guerre, là, vous tous, vous êtes partis. On va écouter le procureur. On a 8 minutes pour écouter le procureur de la République. Adjo Richard, pour un communiqué. Monsieur le procureur, bonsoir. Vous avez bonsoir, un communiqué madame. Communiqué du procureur de la République. Ce lundi 23 décembre 2019, la direction de la surveillance du territoire, en abrégé DST, a informé le procureur de la République que M. Soros Tibakuri Guillaume, député à l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. En possession des services de renseignement, dont Guillaume, député à l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les éléments en possession des services de renseignement, dont un enregistrement sonore, établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l'interpellation et l'arrestation des mises en cause. Par ailleurs, le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamarate Suleiman, Nguissan René et Soros Tibakuri Guillaume pour détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de nos fonds. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soros Tibakuri Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Contre M. Cissé Mori, Kone Kamarate Suleiman, Nguessan René et la société civile immobilière EBUR, SCI EBUR, pour présomption grave de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de francs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162
et 190 du Code pénal, les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 113, 117 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Diom et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause. Fait à Abidjan le 23 décembre 2019. Monsieur le procureur, on apprend encore ce soir que des personnes ont été arrêtées. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme tout à fait, mais pour des dossiers complètement différents de ceux dont je vous ai parlé. Elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 15. On peut avoir donc des parlementaires. Oui, monsieur Alain Le Bougnon et autres sont des parlementaires, mais ils ont fait l'objet de l'arrestation depuis ce jour. Monsieur le directeur général de l'autorité nationale de l'aviation. Maintenant, on va écouter le directeur général de l'autorité de l'aviation sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait monsieur Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour rétablir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous effectivement qui autorisons les vols, les survols et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Monsieur Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidente de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. L'autorisation a été notifiée au demandeur, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, AERIA, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie. Alors que l'avion se retrouvait au-dessus du Burkina Faso, ils ont reçu un mail de l'aviation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête les mensonges. Il explique ici, ils ont reçu un mail de l'aviation. Ce n'est pas les autorités ivoiriennes qui ont empêché Soro de rentrer au pays. Je vous l'ai déjà dit au début, c'est Soro lui-même qui a détourné son avion. Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. En 2000, ici là, vous étiez ici. Quand on a commencé la campagne d'Abobo là, il y a des gens qui ont dit Zasso ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Les Soro, ils ont fait vidéo, Zasso ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Zasso ne peut pas. Moi, j'ai pris cahier des garçons, je suis rentré dans le pays là. Moi, je n'ai pas eu autorisation, mais moi, je suis rentré dans le pays là. C'est à l'aéroport, les gens étaient surpris que Zasso est rentré dans le pays là. Vous là, vous avez tout. On dit rentrer dans le pays, vous avez jet, on dit allez-y, descendre. Vous avez eu peur, des peureux comme ça. Vous avez la grande gueule sur les réseaux sociaux ici, mais vous êtes des peureux. Des plaisanteurs, de gros comédiens. De gros comédiens, puis c'est vous qui mentez. Ils sont en train de faire vidéo partout. Ça pleure, tu les vois pleurer. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Mais c'est ce qu'on appelle aussi la politique. Le président Ouattara, il a connu des moments difficiles. Hein? Il a connu pire que ça. Vous n'avez encore rien connu. Vous êtes dans le luxe. Le président Ouattara, lui, il a travaillé. Il a des grands réseaux. Il a eu son argent, il a travaillé. Mais vous-même là, c'est seulement fusil rébellion.
Quand Blaise était derrière vous, vous avez créé votre rébellion avec la bénédiction de Gbagbo et du FPI et ses militants. Et tous les cadres du FPI qui ont béni Soro dans sa rébellion. Lui au moins, s'il prend jet privé. Jet privé l'a loué à des millions sur des millions pendant que d'autres souffrent. D'autres jeunes souffrent pour s'en sortir. Soro prend jet et loue des millions. Son gars est allé atterrir par peur et en mode d'urgence. Moi, ce matin, j'ai pris mon téléphone. Ici, là, il y a des jets privés ici qu'on loue en Suisse, ici. J'ai appelé pour me renseigner matin. J'ai appelé pour me renseigner ce matin. J'ai appelé pour me renseigner ce matin. On m'a tout expliqué. Pour dire que les autorités en Côte d'Ivoire, elles ont pleinement raison. C'est toi qui as loué le jet là, c'est toi qui décides. Si tu estimes qu'à un certain moment donné, il y a des problèmes, eux, pour protéger leur jet, ils ne peuvent pas faire descendre leur jet en Côte d'Ivoire. Non, c'est toi qui l'as loué. Ils ne peuvent pas faire descendre leur jet en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas. Si Soro dit-il en danger, mais ils vont détourner le vol et chercher un pays proche. C'est comme ça qu'ils sont arrivés au Ghana. Ils ont dit, bon, ce qu'on peut faire, il faut trouver un pays plus proche. Soro, il était au-dessus du Ghana, au Burkina, mais pourquoi il n'est pas descendu au Burkina? Il pouvait descendre au Burkina. Mais il sait que s'il descend au Burkina, ce n'est même pas bon pour lui. Soro sait que si lui descend au Burkina, là, c'est gâté même. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère venir au Ghana en même temps, en mode d'urgence. C'est comme ça que Soro est venu au Ghana. C'est comme ça que lui-même, il est venu au Ghana. Vous êtes là, vous tombez sur le coup des choses. On vous dit, ah, non, Soro, oui, on n'a pas voulu que... Non, arrêtez ça quand même, les gars. Arrêtez. Évoluez aussi quand même. Évoluez quand même. Évoluez quand même. Et le procureur le dit. Le procureur l'a dit, c'est clair. Ce que le procureur a dit. Tentative. C'est-à-dire, il y a eu des enregistrements. On a même contacté Soro et son camp. Des gens ont contacté les responsables de l'armée. Il y a des informations qu'on n'a pas besoin de donner sur la place publique. Parce que jusqu'à présent, je l'ai dit, je l'ai toujours répété, il y a des gens qui ne comprennent pas encore que ce pays a déjà connu 20 ans de crise. Et pendant ces 20 ans, des innocents sont morts. Aujourd'hui, dans leur tête, leur seul problème, juste, ils veulent juste, ça dit une crise politique. Eux-mêmes, ils parlent même de transition pour 6 mois. Ils parlent déjà de transition pour 6 mois. Moi, ce que je sais, chers amis, et je vous le dis toujours, qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui parlent, que ce soit les pro-Gbagbo, que ce soit, eux, tout ça, c'est un coup d'État. Il n'y a rien dedans. Ils soutiennent tous des coups d'État en Côte d'Ivoire. Ils ont mal quand les assos parlent parce que nous, là, on n'acceptera plus un coup d'État dans notre pays. On n'acceptera plus une mutinerie dans notre pays. Des gens qui ont fait la mutinerie de 2017, ils sont sur la liste des gens qui viennent d'être arrêtés. Ils préparent leur coup. Ce n'est pas élection, ils préparent. Hein. Ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils vont rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir Ouattara. Ils vont aller voir le président Ouattara. Quand ils vont voir le président Ouattara, ils vont faire dialogue, ils vont s'impliquer dans la réconciliation nationale. Les gens m'ont appelé ici, je vous ai dit, Soro là. Il se croit peut-être intelligent. Mais fait si là, nous on connaît ça, on connaît le fonctionnement, les mentalités des gens aujourd'hui. Ils veulent gagner du temps. On va rentrer en Côte d'Ivoire, on va dialoguer avec Ouattara. Pour gagner juste du temps. Rentrer dans le système, bien regarder et place, se positionner maintenant et puis chercher à corrompre les gens comme ils l'ont fait à Gbagbo. Ils l'ont fait à Gbagbo, il y a des cadres FPI qui vivent, qui sont là. Je leur ai dit qu'accepter Soro comme premier ministre de Gbagbo, c'est fragiliser vous-même votre système. Soro n'a pas pris les armes pour être premier ministre. Soro a pris les armes pour être président de la République plus tard. Moi, Blaise Goudé, c'est ça. Je suis déçu aujourd'hui que c'est Blaise qui défend Soro. Mais je comprends son cas. Comme lui, il a un problème de justice aujourd'hui, il est prêt à soutenir Soro, espérant que demain, Soro fasse un coup d'État ou quelque chose qui va déstabiliser le pays pour qu'on se retrouve autour d'une table, nous tous, on va tout effacer et puis on va tout reprendre à zéro. Non, rien ne sera effacé. Désolé, on ne peut plus rien effacer. On est déjà parti pour un pays stable, un pays de grande démocratie. On est parti pour poser les bases, les jalons d'une vraie, comme je l'ai dit, et poser les bases d'une justice vraiment indépendante. La justice en Côte d'Ivoire fera son travail. Nous allons soutenir la justice ivoirienne.
Et nous continuerons de dire aux autorités judiciaires, n'ayez pas peur, faites votre travail. Vous êtes nommé, vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des fonctionnaires de l'État. L'État vous emploie. Alors, chers amis juges, autres, faites votre travail. Je voudrais ce matin dire merci, bravo encore à nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais encore dire bravo à nos soldats. Tous ces soldats qui ont à certains moments eu le courage de dénoncer cette tentative de coup d'État qui se préparait, cette tentative de déstabilisation qui se préparait, les assassinats des hommes politiques qui se préparaient. Je voudrais encore vous dire félicitations. Pourquoi je vous dis félicitations? Je ne le dis pas pour vos beaux yeux, chers amis soldats. Je voulais juste vous dire que cette prise de conscience-là, c'est déjà important pour l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays, c'est nous tous notre avenir. Et c'est l'avenir des générations de nos enfants, de nos femmes, de nos frères, de nos papas, de nos cousins et autres. C'est de leur avenir qu'il s'agit. Quand nous, on s'assoit ici, puis on fait vidéo, c'est parce que ce pays-là, on se bat pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Quand j'ai fui la Côte d'Ivoire, j'ai été accueilli au Ghana. Quand j'ai fui mon pays, j'ai été accueilli au Ghana. Au Ghana, il y a la paix. Ils ont connu des moments de crise. Mais à un certain moment donné, ils ont pris conscience et ils ont fait de sorte que leur pays soit un grand pays. Rawlings ne s'est pas amusé. Il a formé une vraie armée. Aujourd'hui, l'armée du Ghana, c'est d'abord la priorité, c'est d'abord le Ghana, la République. Parce que la République, ce sont les 26 millions d'habitants. La République, ce sont les 63 ethnies. La République, c'est les 322 462 km². Tout le monde n'est pas fait à faire la politique. Non. Tout le monde n'est pas fait pour faire la politique. Les politiciens, les ont combien? Avec leurs militants. Ils sont combien? Les partis politiques et leurs militants, les ont combien? Ils sont combien? Sur 26 millions d'habitants, là, regardez sur la liste électorale. Si on regarde même, ils n'atteignent même pas 2 millions. Mais c'est eux qui vont perturber le pays. C'est eux qui vont déstabiliser le pays. C'est eux qui vont bloquer le pays. Mais les hommes d'affaires, tous ces gens qui s'investissent pour créer les emplois, tous ces gens qui font pour que l'argent rentre dans le pays, pour créer les entreprises, embaucher les gens, eux là, ils sont polis, ils sont respectueux, mais c'est des individus. Des individus qui n'ont rien apporté à ce pays, qui se débattent pour détruire le pays. Mais soyons quand même lucides. Soyons quand même lucides, soyons responsables. Parce que des milliers d'Ivoiriens se battent matin, midi, soir. Ils se réveillent très tôt le matin pour que ce pays soit debout, pour que l'économie de ce pays existe. Le président Ouattara, Alassane Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, certains même l'appelaient Mangina, mais il a fait le tour du monde entier. Rien que pour repositionner ce pays, faire de ce pays un grand pays. Il a fait le tour de ce monde entier pour faire de ce pays un grand pays. Les mêmes ressources que Ouattara a fait les ponts routes là, c'est ce que Bédi avait. C'est ce que Bédi avait. C'est ce que Gbagbo avait. C'est ce que Soro lui-même, il a eu dans le nord, 60% du territoire national. Gbagbo avait 40%. Tous les milliards, toutes les richesses du pays qui ont été détournées vers le Burkina, aujourd'hui ont été bloquées par les autorités burkinabées. Tout est bloqué, des milliards qui ont été investis au Burkina. Et vous, des Ivoiriens, vous soutenez ces gens qui veulent créer la violence. Parce qu'autour de lui, la plupart de leurs cyberactivistes, c'est des enfants de la sous-région. La plupart des cyberactivistes de Soros, c'est des étrangers. On est des Africains, mais il faut que maintenant on se respecte. Ils sont de la sous-région. La plupart, certains sont Guinéens. Et ils emmerdent la Côte d'Ivoire. Mais nous, là, on ne va plus tolérer leur comédie. Moi, je ne peux pas m'associer à qui que ce soit pour déstabiliser mon pays. Ce n'est pas possible. Déstabiliser mon pays, c'est être complice de l'assassinat de mes propres parents. Soutenir des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est être coupable de l'assassinat de nos propres parents qui meurent. Par ignorance, nous devenons des vrais coupables et nous tuons nos parents sans s'en rendre compte. Nous humilions nos parents sans nous en rendre compte. Nous torturons, nous participons à violer les femmes et autres sans nous en rendre compte parce qu'on est ignorant. On pense que c'est par la guerre qu'on peut régler les problèmes. Ce n'est pas le coup d'État qu'on peut régler les problèmes. Non. Pour régler les problèmes, il faut se présenter au peuple. Allez-y vous présenter au peuple. Ayez des arguments. Allez-y convaincre le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Prouvez ce que vous êtes. Aujourd'hui, en Europe, ici, là, n'importe qui n'est pas candidat aux élections présidentielles. Ici, chez les Blancs, là, n'importe qui n'est pas candidat aux élections présidentielles. Vous pensez que les Blancs, là, c'est des cons? Ils vont souffrir pour leur pays, puis ils vont laisser n'importe qui pour dire « Non, toi, viens, tu es candidat, tu vas diriger le pays. » Vous savez quel intérêt est en jeu?
Est-ce que vous savez combien d'intérêts qui est en jeu? Parce que vous pensez que vous êtes encore dans vos campements. Mais on n'est plus autant des campements. On est maintenant au 21e siècle. Les choses ont changé. Il y a trop d'intérêts en jeu. Il y a tellement d'intérêts en jeu. Les entreprises françaises, la France a 1000 entreprises. Vous qui sautez là, vous avez combien? Combien d'Ivoiriens vous employez? Dans les impôts là, combien vous faites rentrer? La France seulement fait plus de, comme on appelle, quand on regarde, on dit les choses, comme on parle, on regarde notre budget là. L'investissement de la France, on dit, ils sont pratiquement à 35%. Et c'est vous qui parlez. Vous avez quoi? Au lieu de chercher à réfléchir, à parler de paix, de stabilité, d'autres veulent se venger. Ils veulent arrêter le président Ouattara. Ils veulent voir le président Ouattara être humilié. Ils veulent voir, mais vous ne pouvez pas, parce que lui, là, il est préparé. Avant de venir s'asseoir au pouvoir, là, lui, il s'est préparé. Lui, là, il s'est préparé avant de venir s'asseoir au pouvoir. Il ne s'est pas levé un matin comme ça, bavardé pendant des années, venir s'asseoir au pouvoir comme un villageois. Et puis, un matin, on crée une rébellion, on tue les gens, on massacre les gens. Et puis, les militants vont venir maintenant pleurer matin, midi, soir. On ne peut même pas respirer. Ils vont se promener partout. Ah, c'est la France. Ah, c'est ceci. Ah, c'est cela. Alors qu'eux-mêmes, ils ont fait l'exil en France. Ils ont passé toute leur vie politique en France. C'est de la France qu'ils ont tout obtenu. Face à Guy Robert, c'est la France qui les a aidés à céder au pouvoir d'État. Ils étaient aussi au Golfe, en 2000, face à Guy. C'est du Golfe qu'ils ont lancé l'appel au peuple de descendre dans la rue. C'était au Golfe. Donc, vous n'allez rien expliquer à la France. Vous n'avez rien à dire à la France. Parce que la France, c'est la France même qui vous a fait. Donc, essayez d'ouvrir vos yeux et cherchez à être conscient. Cherchez à être conscient. Sorolla, il a accusé Interpol ici, non? Quand Soro a accusé Interpol, c'est pas nous on a dit que c'était faux. C'est nous on a dit que Soro mentait. Que Soro n'a pas failli arrêter Soro. Soro a accusé les autorités ivoiriennes qu'on a failli l'enlever. Il n'est pas courageux. Je lui ai dit, opposition, c'est pas forcé. Est-ce que vous êtes obligé de dire on est opposant? Est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un opposant? Un opposant, c'est un intellectuel, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui respecte les institutions, qui a les arguments, qui a un projet de société. C'est ça, c'est un intellectuel. Il est respectueux des institutions, des lois. Il connaît sa place. C'est ça qu'on appelle un opposant. Un opposant, ce n'est pas celui qui va venir dire « On a qu'à se cacher, on va faire transition, on va faire coup d'État, on va aller dans l'armée, aller manipuler les soldats, les policiers, tout cela, on va les manipuler, on va aller manipuler les jeunes, on va leur donner des armes, on va venir s'entretuer. Voilà votre combat. Manipuler la jeunesse. » Et ils sont là encore. Hier, j'ai vu des jeunes en train de soulever Soro Kanigi. Soro Kanigi, tu as la grande gueule là, c'est toi qui as peur hier qu'on lance lacrymogène. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. À un temps là, vous aviez les armes, vous étiez puissant, mais vous avez humilié des gens. Vous avez tué des gens. Quand on vous appelle à l'humilité, à la sagesse, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Quand Zasso dit, j'appelle Soro son camp à l'humilité, à la sagesse, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on est bête. Parce que votre faiblesse et vos lacunes ont fait que certains de nos parents sont morts. Nombre de nos parents sont morts. Parce qu'à votre temps, il y avait un régime incompétent. Un régime de socialistes incompétents qui était au pouvoir. Un régime de socialistes incompétents qui était au pouvoir. Ils vous ont laissé créer une rébellion. Non, vous pensez que Gbagbo c'est Soro? Non, Gbagbo c'est Ouattara. C'est-à-dire que pour eux aujourd'hui, comme Ouattara ne fera pas ce que vous voulez, je suis désolé, il ne va pas le faire. Hier, il est parti en Côte d'Ivoire avec un jeune de 42 ans, Macron. Le président Ouattara est parti avec Macron en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment il a attrapé Macron, comment il est fier de Macron. Vous avez vu comment le président jeune de 42 ans qui dirige la France avec dignité, il discute avec les Trump, il discute avec les Poutine, avec les Merkel. Et chez nous, là-bas, il y a des idiots qui se débattent chaque jour avec coup d'État. Et il y a des gens qui les soutiennent dans ça. Ils les soutiennent parce qu'on veut faire la guerre. Alors que la guerre, là, faites-nous le bilan de votre guerre face à Guy Robert. Venez nous faire le bilan de votre guerre face à Guy Robert. Guy Robert avait gagné les élections de 2000. Guy avait gagné les élections de 2000. Mais ils l'ont tué, Guy Robert. Venez nous dire pourquoi Guy est mort. Venez nous dire qui a tué Guy. Mais on sait qui a tué Guy. Ceux qui ont tué Guy, qui ont donné ordre aujourd'hui, sont sur le terrain politique. Ils sont en train de faire politique en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de faire politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui ont dit à l'insécurité, allez-y tuer Guy. Là où les leaders Kwasi se cherchaient, demandaient pardon. La femme de Guy demandait pardon. La femme de Guy demandait pardon. Ne tuez pas mon mari. Elle a pris son téléphone, elle a appelé leader Kwasi. Elle
appelé Lida Kwasi pour dire que mon mari est à la cathédrale. Pendant que Lida Kwasi se cherchait pour aller lui prendre Guéhi, protéger Guéhi, les gens sont passés, ils étaient déjà devant, ils ont attrapé Guéhi. Quand ils ont fini, les gens allaient prendre sa femme, ils ont assassiné sa femme. Ils ont assassiné sa femme. Ils ont assassiné la femme de Guéhi. Mais c'est toi, les propres babos, tu l'as fait. Ceux qui l'ont fait, ils sont conscients. Mais lui qui est mort là, c'est un chef d'État. Guéhi est de l'Ouest. Guéhi est un Ivoirien, c'est un président de la République. C'est un chef d'État. Quand on a fini d'assassiner Guéhi, ils ont pris leur cortège, ils partaient chez Ouattara pour assassiner Ouattara. Ils partaient chez Ouattara pour assassiner Ouattara. Mais Ouattara là, c'est parce qu'il y a des gens vigilants autour de lui qui est vivant. Donc si aujourd'hui le pouvoir qu'on dit aux gens, calmez-vous, mais calmez-vous quand même. On a fait par là, vous avez fait la guerre, vous êtes devenu riche, mais calmez-vous. Vous avez fait par là la guerre, vous êtes devenu riche, oui, on a compris, mais calmez-vous. Et puis respectez les gens. Calmez-vous et puis respectez les gens. Apprenez à avoir du respect pour le peuple. Les Ivoiriens ont trop souffert. Vous ne pouvez pas fuir la justice. Vous êtes allé tenter un coup d'état au Burkina Faso. On a arrêté les Yibri Bassolo, on a arrêté les Dendere. Ils sont devant la justice. Et en Côte d'Ivoire, des gens soutiennent que Soro soit candidat aux élections présidentielles. Alors que toutes les preuves existent, son implication personnelle dans cette crise existe. En Côte d'Ivoire, on se bat, on dit Naka est candidat. Ça veut dire que dans votre pays, il n'y a plus de morale. Ça veut dire que dans votre pays, il n'y a plus de morale en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit qu'il s'est impliqué dans le coup d'État de Burkina. Et toutes les preuves existent. Vous, les Ivoiriens, vous dites non, Naka est candidat. Parce que si les candidats, il va libérer Gbagbo. Si les... Moi, ce n'est pas la libération de Gbagbo qui m'intéresse. Moi, c'est la vie de Côte d'Ivoire, la vie du peuple qui m'intéresse. C'est la stabilité, la vie, l'avenir de notre génération. C'est ça qui m'intéresse. Ceux qui ont créé la merde dans ce pays continueront de se trouver devant la justice et ils seront toujours devant la justice. Chers amis, la prochaine action que nous, les Assos, on va engager, c'est de faire le tour des grandes institutions de l'Europe pour dire dans ces pays des plans. En Afrique, là, tous ceux qui sont impliqués dans l'instabilité de nos États, là, quand ils viennent chez vous, là, ne jouez pas avec eux. Dans nos États, là, ne soutenez plus des voyous et des délinquants qui veulent forcément déstabiliser et faire que de sorte que le peuple meure. Ne les soutenez plus. Ce sera le combat de la génération que nous allons mener. Nous allons engager des actions d'envergure. On ira maintenant dans les pays comme le Burkina, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, partout pour organiser des conférences, rencontrer des organisations. On va rencontrer des organisations de jeunesse pour préparer l'esprit de la jeunesse dans la sous-région. Pour ne plus qu'on continue de les recruter pour venir faire des guerres inutiles. Venir les massacrer dans des crises des pays. Et puis après, on dit non, il y a des enfants qui fuient, ils prennent les bateaux, mais c'est notre responsabilité. C'est parce que nous partons recruter ces enfants pour faire la guerre. Mais quand on finit, on les abandonne. Ces enfants-là vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils sont obligés de prendre des bateaux pour fuir le pays. Pour fuir le pays, parce qu'à un certain moment, c'est quand on fait la guerre. Ils sont connus, les gens les ont vus. Alors, ils ne veulent pas avoir des problèmes. Ils sont obligés de fuir. Et les guerres que nous créons créent la pauvreté. Ça tue l'économie. Ça bloque le pays. Mais ça crée plus de pauvreté. Et ça, on n'a pas besoin d'accuser Ouattara pour ça. Non, c'est nous tous. Nous sommes coupables. Que tu sois de loin ou de près. Mais tout ce que nous faisons, si tu soutiens un chef de guerre et que le pays a des problèmes, mais toi aussi tu es coupable, il est où le problème? Il est où le problème? Hier, ils ont fait à Boaké. Ils ont voulu chasser le président. On avait toutes les informations existaient. Existaient. Et Soro était impliqué dedans. Moi, je sais ce qui s'est passé dans leur aéroport. Quand le président Ouattara quittait Ghana pour arriver à Abidjan, quand il y a eu ce coup, on sait tout ce qui s'est passé, mais on attrape notre gorge un peu. On attrape un peu notre gorge pour ne pas que ça sorte. Pour le respect de certaines autorités, nous, on se tait. Mais de grâce, un minimum de respect, s'il vous plaît. Nos parents ont besoin de respect. La Côte d'Ivoire a besoin de respect. Notre pays a besoin de respect. La Côte d'Ivoire a besoin de respect. Almami Diaba, j'étais hier chez toi à Genève. Oh, que bonne arrivée. Flora Tansia, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Lucien Zézé, comment tu vas? Alors, chers amis, Ouattara n'est pas Gbagbo, Ouattara n'est pas Bédié, Ouattara ne sera pas ce que vous pensez. Ouattara est celui qui prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour développer la Côte d'Ivoire.
Ouattara est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Ouattara aujourd'hui, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer de nous battre, à être à côté de lui jusqu'à ce que notre pays soit un grand pays. Il est l'un des seuls chefs d'État depuis Kofu est mort à relever le grand défi de du développement dans notre pays. Alors, chers amis, attachez votre ceinture. Parce que nous aussi, on ne va pas reculer. Ah oui, on continuera de se dire des vérités. Vous allez parler, nous, on va vous répondre. Vous allez parler, nous, on va vous répondre. Vous avez gouverné de ce pays, vous avez échoué, Ouattara n'échouera pas. Là, vous avez échoué, là, lui, il peut pas échouer là. Honte à vous, oh, honte à vous. Qu'on a détourné son avion, on a détourné son avion, on a détourné son avion. Vous n'avez jamais pris de vol? Moi, je suis dans un pays ici où on loue les jets privés. Je connais les prix. Ici, là, il y en a à côté de moi, ici, là même. C'est pas loin. Les jets privés. On connaît tous les prix. On sait comment ça se passe. Qu'on a détourné l'avion de Soro, on a empêché Soro de ça. Si l'État de Côte d'Ivoire ne voulait pas de ce que. Depuis où l'État, en France, là-bas, à Paris, là, on n'allait même pas accepter que l'avion décolle. On n'allait même pas accepter que l'avion décolle. Nous, on attendait Abidjan. Il sait, ce sont ses amis qui lui ont dit, Soro, il faut mettre dedans. Parce que là, notre coup, là, ça n'a pas marché. Notre coup a échoué. Les gens ont préparé leur coup. Ils savent ce qu'ils font, ils ne sont pas prêts. Et là, où est là, il est là. S'il n'y a pas coup d'État, si Ouattara n'est pas tombé là, ils ne vont pas laisser. Je vous dis et je vous le répète. Tous ceux qui prennent les armes, tous ceux qui sont à la tête des rébellions, leur premier combat, c'est le pouvoir. Soro a dit qu'il a quitté l'Assemblée nationale pour s'asseoir au palais. Il vous a dit ça, vous tous. Hein? Il dit qu'il a quitté l'Assemblée nationale pour prendre le fauteuil. Mais si le terrain politique, Soro sait qu'il ne peut pas convaincre le peuple. Soro sait qu'il ne peut pas faire meeting pour convaincre quelqu'un. Il est conscient. Il sait. Il comptait sur Bédier, mais Bédier l'a verrouillé. Les pro-Gbagbo là, c'est gâté. Ça va blesser seulement, il joue son petit jeu. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est la fête de Noël. Je salue le ministre de la Sécurité pour son excellent travail avec toute son équipe. Je salue nos forces de défense et de sécurité et je les appelle à plus de vigilance. J'appelle nos forces de défense et de sécurité à plus de vigilance. J'appelle les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, soyons déterminés et continuons d'être vigilants. Parce que la vigilance, ce n'est pas pour nous seuls. Hein. Moi, je suis ici, je vous dis toujours que je ne vis pas à Abidjan. Moi, je vis dans un grand pays ici. Ce que vous faites, la haine, là, moi aussi, je peux être ici puis faire ça aussi. Mais comme je suis conscient, j'ai été à l'école, je suis intelligent. Je sais ce que c'est que la politique. Et je sais ce que c'est que la vie d'un peuple, d'une nation. Et je sais que nos combats qu'on mène, on fait la politique pour protéger les innocents. On fait la politique pour protéger, mais non pas pour venir exposer nos haines, nos petites colères, nos intérêts égoïstes et malhonnêtes. Venir mourir pour les individus, là. Ce n'est pas ça pour la politique. Ce n'est pas ça la politique. Non, chers amis, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, on a Sam. On a Sam. Et puis, bonne fête à vous tous. Salam. On dit, nous, on attend la suite. On ne va pas se laisser jusqu'à ce que Soro réponde devant la justice. Voilà. Parce que quand dans ce pays, chacun répondra de ses crimes devant la justice, de ses actes, nous serons dans un pays de paix et de grande démocratie. La paix, la stabilité viendra de la prise de conscience de chacun d'entre nous. La démocratie, c'est laisser la justice aussi faire son travail. La démocratie, c'est respecter aussi les décisions de justice. La démocratie, c'est aussi respecter la justice. C'est ça aussi la démocratie. Ce sont les éléments importants. Il faut que vous appreniez à respecter nos justices et nos lois. Des gens qui ont pris des armes, qui ont géré la fessie, qui n'ont rien apporté. Des gens, ils ne peuvent pas devenir président en Côte d'Ivoire. Non, notre pays là, ce n'est pas passoire. Ce n'est pas un désordre. Nous sommes les premiers de l'humour. Au Sénégal, il y a les Macky Sall. Au Bénin, il y a les Patrice Talon qui sont les hommes d'affaires. En Côte d'Ivoire, on a le président Ouattara, un gouverneur de la BCAO. Il a travaillé au fond mineur. Non, il faut ces hommes de qualité, ces hommes compétents, responsables pour faire de nos États de grands États. On a mis Gbagbo, un simple professeur, il n'a rien apporté. C'était une grave erreur en mettant Gbagbo. Mais nous demandons pardon aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, de l'erreur que nous avons commise en choisissant Gbagbo et le FPI. Gbagbo et le FPI nous ont trahis. Ils nous ont tous trahis. Aujourd'hui, regardez leur comportement.
Ils sont éparpillés, ils s'insultent entre eux, ils sont impalables. Simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes. Donc, ils se comportent comme des bébés gâtés pour ne pas qu'on leur demande des comptes. Mais nous, on va leur demander des comptes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On assemble, ne vous laissez pas distraire. Un vrai patriote ne doit pas se laisser distraire. Nos parents sont au pays. Nos mamans sont au pays, nos grands-parents, ceux qui ont souffert pour nous tous, ils sont dans ce pays. Ceux qui nous ont mis au monde sont dans ce pays. On doit se battre ensemble pour qu'il y ait la paix pour nos petits frères et les générations qui nous suivent. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le communiqué de Blé, je vais revenir sur ça. Je vais faire un direct spécialement pour revenir sur le communiqué de Johnson, de Charles Blé Goudé. En tout cas, merci à vous tous et Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bonne fête à vous tous. Bonne fête surtout à vos enfants. C'était Tonton Zassou.